Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve pour un support GoPro Ankydex. Donc voici le produit commandé sur Rip Holster Kydex. C'est un support GoPro. Au cours de mes dernières parties, je me posais toujours la question de quel était le meilleur moyen pour filmer du gameplay. Alors j'ai utilisé le bandeau de tête fourni par GoPro. Le problème qu'il y a, c'est que ça se baladait partout, ça se desserrait, c'était pas top top. Et puis Réglisse Wardog, donc qui tient la boutique Rip Holster Kydex, a fait un produit support GoPro en Kydex. Donc pourquoi pas, je me suis dit, allez, on commande. Alors voilà dans quoi on reçoit le support GoPro en Kydex. Donc une lettre prioritaire en papier bulle. Voilà, avec le logo toujours de la boutique Rip Holster Kydex. Dedans, on y retrouve une plaquette de présentation. Alors désolé si elle est un peu déchirée, c'est en ouvrant la lettre, j'ai chopé en même temps la plaquette de présentation. Donc derrière, on y retrouve toutes les caractéristiques de ce qu'il peut faire et de ce qu'il propose. Voilà, donc là, on n'y voit pas très bien, mais je vous laisserai aller sur sa page Facebook que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. On y retrouve un petit autocollant, donc toujours sympathique, les petits goodies envoyés par les boutiques. Et sa carte de visite, toujours à l'effigie du logo de la boutique. Avec un flash code. Alors ce flash code, je sais pas à quoi il correspond, je le testerai dans la journée et je vous dirai dans les commentaires à quoi ça correspond. Donc voilà le montage dans sa totalité, enfin presque, parce qu'il me manque encore la porte arrière du boîtier GoPro que je suis en train de repeindre couleur sable. Moi j'ai choisi de percer le boîtier GoPro et de l'alimenter avec une batterie externe, un câble externe. Parce que je trouvais que changer de batterie toutes les 5 minutes, c'était vite gonflant et chiant. Donc avec ce système, je peux filmer toute ma journée d'airsoft sans me poser la question est-ce que je vais avoir assez de batterie pour la fin de la journée. Alors les points forts et les points négatifs sur ce produit. Pour l'instant, je ne vois pas de points négatifs. Peut-être parce que je ne l'ai pas testé encore en partie en conditions réelles. Le point positif, c'est que voilà, c'est Ankydex, donc matériau qui ne bougera pas dans le temps. Produit aux finitions super bonnes. Pas de traces, même la peinture ne s'écaille pas et ne part pas à la moindre éraflure. Donc cette petite présentation touche à sa fin. Je tiens encore à remercier Réglisse Wardog pour son sérieux et sa réactivité au niveau des commandes passées sur son shop. Commande vite reçue. Je l'ai commandé mercredi et on est vendredi, donc en 3 jours, commande reçue. Je le répète encore, cet article va me simplifier la vie au niveau du gameplay filmé lors des parties. Voilà, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous quand vous jouez. N'oubliez pas que les protections, c'est la vie. Et sur ce, à plus.